Qui va l'emporter? C'est la grande question. Et on va voir ça tout de suite. Il occupe nos journées, il passionne nos nuits. Le foot, oui, c'est le jeu avec l'imprévu. C'est le jeu auquel on pense tout le temps. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Au menu, une rencontre en mode club. C'est une ambiance assez extraordinaire et ça va être donc un rendez-vous exceptionnel. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Devant un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Le ballon change de camp. Il est concentré là-dessus. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Ah, voilà un ballon bien gratté, là. Ah, énorme occasion pour prendre l'avantage. Le gardien qui s'interpose, quel réflexe! Le corner. La récupération haute, le pressing est payant. Et quelle intervention! Interception réussie, ballon récupéré. L'occasion de prendre l'avantage. On va amener un peu de danger là. C'est un ballon qui est récupéré. Aïe, la mauvaise passe s'est rendue directement. Ballon bien travaillé sur ce centre. Ah, le ballon est dégagé, ça va en corner. Un corner qui est bien ajusté. Récupération du ballon. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Une grosse occasion pour passer devant. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Elle a frappé contrée. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Il y a du soutien en attaque. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ouh, la faute là, il se donne un très bon coup franc. Et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc.
mauvaise relance là. Ah, le public attend une frappe. Ah, c'est un beau pressing qui permet de récupérer. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Attention, pour mener au score peut-être. Goal, 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 goal. Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. La frappe peut-être pour égaliser, c'est contré. Oh, c'est repoussé, mais attention, c'est pas fini. Et non, le drapeau se lève, position de hors-jeu. Et le ballon est finalement intercepté. Bientôt le retour au vestiaire et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour l'équipe visiteuse. La prestation est assez intéressante. Le milieu arrive à contrôler le jeu et le ballon. L'idéal, ce serait de maintenir ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Ça sort en touche. Le centre vers la surface. Le ballon est écarté. Et voilà un ballon qui est intercepté. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Et c'est sifflé, c'est hors jeu ça. Ah non, là, ce ballon qui est intercepté. Attention, ça peut être dangereux. Eh oui, elle est bonne cette passe. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Avec Pierre. L'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Oh, le ballon qui est perdu. Et aucune question à se poser, le ballon est renvoyé.
jouer le contre. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Un ballon intercepté, bonne intervention. Il dépose l'adversaire là. Il est battu une première fois, mais finalement il revient pour reprendre ce ballon. Attention à ce ballon qui traîne. Oh oui, le but, et quelle erreur surtout à ce niveau-là. Évidemment, ça ne pardonne pas. Et c'est une remise en jeu à venir. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Et le ballon vers la surface de réparation. C'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et c'est donc une touche. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Allez, il y a de la place sur ce côté. Allez, hors-jeu, c'est hors-jeu. Moreiwu. Centre là peut-être. Elle s'est dégagée en touche. Le ballon est récupéré. Eh oui, bien joué, la bonne passe. Le ballon change de camp. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Le temps presse, alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et le contre est possible maintenant. Et duel remporté, va pouvoir relancer. Laisse l'avantage. Ouais, c'est bien joué au deuxième poteau, mais le gardien est sur la trajectoire. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ah, il
perte de balle, ça peut s'avérer très dangereux. Et c'est une frappe. Parade là, magnifique. Oh la faute, cette faute qui vient interrompre cette action. Oh, ça mérite quelque chose ça. Et donc c'est terminé avec l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Pas de vainqueur. Et donc on va avoir droit à la prolongation. Et c'est parti pour cette première mi-temps de prolongation.
l'avant-match déjà, il y a de la tension, il y a cette adrénaline qui transporte, qui pousse à faire au mieux. C'est une énergie qui vous gagne tout le corps et qui vous fait penser que tout est possible, oui. C'est un moment unique, c'est un moment incroyable. Et il faut évidemment en profiter et surtout, surtout réussir à sortir une grande prestation. Qui va prendre le dessus dans ce duel? C'est la grande question du jeu. La magie du foot, c'est pour ça que nous sommes tous ici réunis. Voyons ce que nous réserve ce nouveau rendez-vous. La team Dada est toujours heureuse de vous accueillir pour partager ces moments. Au menu, c'est une affiche en mode club. Évidemment, quand on aime le foot, on a envie de vivre ce genre de moment. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre. Et moi qui suis toujours... Oh, la bonne position! Qu'est-ce que c'est bien défendu! Et c'est renvoyé par la défense. Guzman. Ouais, la bonne intervention, touche. Et la récupération du ballon. Hernandez. Le ballon finit dans leurs pieds. L'action se poursuit dans le camp adverse. Le ballon sort en touche. Le ballon est dégagé, ça sort en corner. Tiré dans la surface. Occasion avec cette frappe. Oh, le but de quelques minutes seulement et déjà un but dans ce match. Bombasso. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Moreiwu. Allez, la jolie passe dans la profondeur. Intervention du gardien. Le corner. Interception en pleine surface de réparation. Et le ballon rendu à l'adversaire suite à ce dégagement. Et le bon centre là peut-être. Et l'attaque est stoppée net parce qu'il y a faute. Et c'est donc un carton jaune. Ça semble parfaitement juste. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Hernandez. L'action se poursuit. Oui, le centre dans la surface. Quelle intervention, elle est hyper importante. Allez, construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Mais non, là ça n'arrive pas, le ballon est rendu à l'adversaire.
bien défendu dans sa propre surface. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ouais, bien défendu, sans faute. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Elle déclenche le centre. La parade, mais le danger est toujours présent. Et ce corner peut leur donner l'occasion de revenir au score. Vers le point de pénalty. Et la tête, et ça passe finalement au-dessus. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ah, malheureusement, la possession est perdue. La transversale pour renverser le jeu. Ce ballon est intercepté. La place pour tenter sa chance. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Et voilà, ça sort en touche. Il faut centrer là-dessus. Et donc le ballon sort, 6 mètres. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Guzman. Ah, la perte de balle. Oui, c'est un bon ballon. La balle est dégagée, ça sort en corner. Les tribunes que s'enflamment pour ce corner offensif. C'est leur première occasion de revenir en hauteur depuis un moment. Ah, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et donc on va en rester là, c'est la fin de la première période. Allez, on y retourne. Deuxième mi-temps. United mène toujours à la marque. Un petit peu de champ dans l'axe. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu.
le ballon qui est perdu. Et une passe lobée pour créer le danger. Ah non, malheureusement, ça ne donne rien du tout. Et voilà une bonne occasion de revenir peut-être dans le match. Allez, bien frappé ce corner. Allez, c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Hernandez a une occasion de contre à négocier. Le tir. Un peu trop sur le gardien qui s'en saisit sans problème. Ah non, ce ballon est bêtement perdu. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Et c'est une frappe. Et le but, voilà. Ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. La pureté technique est exceptionnelle. Savourez ce ballon légèrement fouetté. Quel bonheur! Et score de parité avec ce but inscrit un partout. Ouais, il y a faute bien sûr. Et coup franc accordé par l'arbitre. Ce ballon est récupéré. United récupère bien. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Guzman. Ah, il y a un gros pressing. Ah, cette frappe lointaine ne surprend pas le gardien. L'absence d'ambition offensive, ça ne te permet pas d'apporter de la créativité et la précision qu'il te faut dans le dernier geste. On sent déjà beaucoup de frustration à cause de cette situation. Guzman. Et c'est intercepté, ça. Et l'arbitre siffle la faute. Dommage pour l'équipe parce que son attaque partait vraiment bien. Il faut centrer là-dessus. Elle se sent échoue dans les bras du gardien. Ouais, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Ah, ballon intercepté, ça change de camp. Oh, la tentative. Et oui, but. Ce but est crucial, il est à quelques minutes de leur offrir la victoire, mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Ah, il y a faute, mais avantage, l'arbitre là, elle fait signe de continuer. Guzman. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Et oui, le but! Et c'est jamais...
jamais fini un match. Ça se joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière occasion. Le ballon change de camp. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Un but serait synonyme de victoire. Excellent timing sur cette interception. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Ouais, la bonne entente sur cette passe. Goal ! Dans les derniers instants, voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, golazo, golcito, tutti est. Quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Excellente défense dans la surface. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. C'est donc terminé, le coup de sifflet final dans cette rencontre et ça se finit donc avec... Quelle acuité! Quelle victoire!